Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée « La teutonisation des lois du marché ». Nous étions en guerre contre l'Autriche, guerre qu'on va pas tarder à terminer, ceci étant dit, je vais juste baisser le son parce que je m'entends même plus parler dans cette affaire. Guerre qu'on va bientôt terminer parce que, pourquoi pas, on va juste récupérer... Voilà, on va juste dégommer ça vite fait, bien fait. Ouais, pas grave, vas-y. Tiens, on va aller là-bas, on va prendre un commandant. Donne-moi lui, vite fait, bien fait. Voilà, là on va poutrer ça. Tu vas aider, je pense. Parfait. Renforce tes premières lignes et vas-y. Je sais pas ce qui va se passer dans le doute, j'y vais. Ouais, bon, c'est parfait. Comme ça, l'Autriche sera totalement anéantie. On a pris ça. Il reste plus grand chose, hein, honnêtement, pour l'Autriche. Là. Il est encore évolutif le score. Ceci dit, ils ont pas encore d'emprunt. Je crois qu'ils ont pas encore d'emprunt, ces messieurs. Non, régime politique, je m'en tape. Non, c'est pas rival, c'est ennemi là. Argent dans les coffres, 1,21. Ça va. Trois fois rien, quoi. Ah, ils ont pas encore d'emprunt. Hein. Après, nous, on pourrait rembourser déjà notre emprunt. Voilà. Et il nous reste encore un emprunt à rembourser. Bon, est-ce qu'il y a encore un intérêt à perdurer la guerre? Si, reprendre quand même Prague. En principe. Voilà, on va faire ça. On va remporter un siège, très bien. Toi. Vas-y, échenelle toi. On va continuer à... De toute façon, il faut qu'on termine ces légitimations, là. On n'a pas le choix. Ah, si, on aurait le choix, mais bon, pff, la flemme. Vous m'avez compris. Tiens, on va aller par là. On va aller par là. Voilà, on récupère les miettes. On va aller par là. Après, c'est vrai qu'ils nous ont pris une... Ouais, un petit 22 de développement, c'est pas négligeable. On va par là. Bon, là, ça peut tomber. Hein. on peut faire les impôts. Non, on va garder la stable. Prague est tombé, parfait. On est là-bas. Ça, on est en train de le prendre, très bien. Après, Venise nous aiderait quand même pas mal. On va faire ça par là. Alors, je sais pas qui va arriver en premier. Tu vas arrêter de... franchement, non. Je suis en plein milieu d'une guerre, ça va. Ça merde pas. Par contre, on peut redevenir défenseur de la foi, donc on va le refaire. Et voilà. C'est pas compliqué. Du coup, on peut changer de régime politique ou il faut encore qu'on attende? Ah ouais, ça nous serait bien. Élection ouverte au peuple. Absolutisme maximum plus 20. Ouais, mais sauf que le prochain, on en gagne combien par mois? Ouais, ok.
Ouais, bon, là, ils vont commencer à nous casser les pieds, quoi. Là-bas. Là-bas. Le but étant de vraiment dégommer les Autrichiens. Ouais, mais c'est la surexpansion. Vous savez quoi, on va essayer de prendre de la réputation diplomatique, ça nous fera pas de mal, je pense. Hommes là-bas, si je peux essayer d'aller les pécho. Non, ils vont pas me voir arriver. On va quand même les attraper. Fait vraiment des jets de dés pour là, par contre. Belgrade, ouais, 22 dev, ok, on prend. Oh bah c'est parfait. Ouais, ça va, on fait un 13. Ouais, ok. Non, en fait non. Bon. Ils résistent hein, quand même, hein, ces bougres d'Autrichiens. Là-bas. Voilà, on va se rediviser, on va dégommer ça. Ah, what's happened? Ah, oh, les Ottomans, ouais, si tu veux. On va se rediviser. Voilà, déjà ça permet de calmer un peu le jeu. Point 9, il va là. Bon bah 25 puissance administrative, un classique. Une seconde. Tac, 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 tac. Ok. Il y a Sienne encore.
là, l'Autriche, t'as combien de... Ouais, tu commences à avoir des emprunts. Mais de toute façon, il faut qu'on attende. Hein. On n'a vraiment pas du tout le choix. Bon, ce qui va pas tarder à arriver. Au final, on prend Sienne et puis c'est réglé, quoi. Voilà. On les pille un peu. Salzbourg, ça donne quoi? 33 quand même. En termes, là, on est peut-être un poil beaucoup. On va se rediviser. Bon, là, il s'amuse. Amusez-vous. Voilà, Sienne est prise. On est bon. L'Autriche. Alors, moi, ce que je veux de toi, Autriche. T'as que deux emprunts. Bon. Après. Je veux la paix. Comme tu peux le savoir. Comme tu peux le penser. Hop, hop. Pas encore terminé ces conneries de légitimation aussi. Non, pas encore. On va attendre. Hop, hop, hop. Je veux ça. Je veux la Silésie. Voilà. C'est bien ça la Silésie, on est d'accord. Hein? Ouais, c'est bien ça. Voilà. Bon. Pas grave. Tu vas me libérer. L'Hongrie, tu pourrais pas. La Bulgarie non plus. La Croatie, non. La Valachie, encore moins. Venise, ça serait 40%, mais on peut pas, parce que voilà. Attendez, rien que ça. Ouais, ça fait 60. Mais c'est des provinces si vénères que ça? Oh, mais le développement, maintenant, ça peut plus rien dire. Bonjour, j'ai 4000 de développement. Ça te sert à quoi? Bon, rien, c'est un gros chiffre. Ah, mais d'accord. Je suis content. Bon, bref. Gênes, tu vas libérer. Tu vas récupérer. Et on avait dit. Ah, Ferrare, on peut pas. Nitra. Ça pourrait faire un bon tampon. Et on pourrait vassaliser. Et après, on pourrait protéger Nitra. Ouais, ça peut être pas mal, Nitra. La Valachie. Non, ça serait la porte ouverte à l'Ottoman. La Serbie. Non, c'est pas la peine. Moi j'aurais aimé Ferrare, mais Ferrare c'est pris par. Après Ferrare. Ferrare ça t'écoule. Cool, hein. On pourrait même faire Milan en tant qu'à faire. Hein. Allez, on va par là. On va par là. Allez, c'est pas grave pour le séparatisme. On va attendre un peu comme ça. On va continuer à aller. Continuer. Voilà. C'est fait. Si ça se trouve, on peut peut-être même libérer Milan. Ou Urbino, ouais, au choix. C'est quoi ça, cette nouvelle vue? Ah, ça délimite ça. L'Espagne, ça délimite l'Espagne. Et Urbino, ça délimite rien du tout. D'accord. Ah, si, c'est ça, Urbino. Urbino est pas mal, hein? Voilà qui est fait. Donc, recommençons. Je te bouffe ça, je te bouffe ça, on est d'accord. Ensuite, tu libères. Bah, tu rétrocèdes? Ouais. Tu peux retrocéder ça. Ferrare. Non, Ferrare, il n'arrivera pas à le maintenir. Non, rien à l'Ottoman. Tu peux rétrocéder ça, Milan. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui coûte le plus cher en score de guerre? Voilà. Alors, Urbino, la Suisse, Milan. Ouais, ok. Mais on peut se faire plaisir comme ça, en fait. Hein. On crée une entité milanaise. La Saxe, je m'en tape. Oh, celui-là. Ouais, peu importe. Moi, j'ai envie que tu libères plein de choses à Urbino, en fait.
Je veux que Urbino soit un acteur majeur dans cette zone. Donc limite, on pourrait donner... On peut libérer ça. Je pourrais libérer... Ouais, effet rare. Ouais, attendez, on va tout refaire là parce que là, j'y suis plus. Voilà. Après, est-ce qu'on peut créer des états clients, nous? Oh non, la flemme. Pas envie de créer d'états clients, moi. Tu rembourses Ferrar et Urbino. Ça, on peut attendre. Ça, je m'en fous. Il y a une idée. Mantoue, peut-être? Mantoue. Voilà, là on a créé la ligne Urbino, ça s'appelle. Et ça passe. Et Urbino va me kiffer. Hein. J'aimerais bien donner un autre territoire Urbino. Pour que... On peut redonner Urbino et Urbino. Voilà. On va faire un gros truc comme ça. On pille pas la capitale, de toute façon on aurait quasiment rien pu prendre. Ah si on peut. Ah bah écoute, pourquoi pas. Voilà, donc on prend ça, on libère Gênes, très bien. Bon voilà, peu importe. Et Urbino est là, il va... Bon ça fait moche, hein, mais au moins on coupe l'Autriche en deux. Pourquoi pas. Ça nous gagne quand même de la surexpansion, on en est à combien là? Ouais, non, c'est mort. C'est mort, ça passera jamais. Ok. Bon, on va avoir une coalition sur le dos, mais on aura bien humilié l'Autriche. Le prestige. Oh la vache. Ça va nous coûter très cher, mais bon. On libère des pays, c'est bien, c'est bio. Je pense que c'est bon là-dessus. Ouais, on est pas mal là. On a bien sûr terminé tout de légitimé. Hein. Ouais, bon. Ça va gueuler, je sais, mais bon. 4%, franchement, c'est vraiment dommage. Après, je vais peut-être faire une technique. On va peut-être faire une technique après. Ça nous coûterait combien? 350. On les a presque pas. Ok. En tout cas, c'est déjà pas mal. Bon, bah, je suis content pour Urbino en tout cas. Voilà, au moins ça me fera. Ouais, go. Voilà. La belle ligne Urbino. Elle est très bien. Franchement. Ouais. Alors, je sais plus si. Non, ça, on leur a donné ça. Ouais, est-ce qu'il... Ah oui, Urbino a ça. Oh là, ils doivent tellement me kiffer. Expansion agressive. Ouais, d'accord. Ah, je veux bien. Hégémonie. Ah, quand on est énergé. D'accord, ok, qu'on est hégémonique en fait, c'est chiant. Ok, pas de problème. Donc la Silésie. Non, je peux pas. Il faut que ça soit légitimé. Ok, parce que je voulais baisser le. La. Pas la surexpansion, mais la. Je voulais baisser le développement de ces provinces-là pour être tranquille, mais bon. On va là-bas. Voilà. On va là-bas. C'est vrai que j'avais déployé toute l'armée. Alors ça par contre c'est... Je peux pas passer par là. Pas compris. Ah peut-être lui non. Ah si je peux. Ah lui peut-être... Non il est Black Flag. Bah alors. Bon. Normalement on est bon. Est-ce que... Le... Non, c'est bon. Conversion terminée, c'est parfait. On va continuer avec ce qui nous bouffe le plus d'unités religieuses, à savoir canton, ça, voilà. Tu veux rentrer à la maison aussi, toi? Toi aussi, tu... Mais pourquoi tu veux pas rentrer à la maison? Je capte pas.
Oui, c'est bien. Ah, je suis un abruti. Oui, je m'en tape. Vas-y. Oui, bah l'Autriche, je m'en tape. Voilà. On va légitimer ce qui reste. Ok. Ça a pété en Asie. Voilà. Que ça pète en Asie. Donc Urbino même pas. Bon, en tout cas, Urbino, il est content. Là. Je suis content. Là. Alors les factions rebelles, les voir, je m'en tape. Oh là là, oui, d'accord, ok. Alors les ordres, je m'en tape. Les missionnaires, je m'en tape. Les marchands, pourquoi pas. Les Jiméniens, ok. Flotte, faction rebelle, je m'en tape. Diplomate, ok. Conversion culturelle, construction, je m'en tape. Construction secondaire, je m'en tape. Combat, je m'en fous. Ensuite, annexion, intégration, alerte désactivée. Ouais. Armée, ok. Centraliser cet état. Alors, rien dire. Colonie, colonisateur. Merci. Bon, là, on a beaucoup de troupes, par contre. Hein. 3, 33. Voilà. On a énormément de troupes. On s'est pris énormément de mecs. On a perdu beaucoup de... Bon, après, il faut on va regagner, hein, ça ne fait pas trop peur. Du coup, maintenant, là, on n'a pas de coalition, par contre. Le fait qu'on ait une hégémonie, ça passe. Oh, nickel. On peut vraiment se faire plaisir ici, quoi. On peut se faire 10 mars. Ouais, les deux lames tentent bien. Les deux lames me tentent plutôt pas mal. Attendez une petite seconde. Désolé pour cette petite interruption. Donc, on en était au fait de pouvoir... Waouh. On en était au fait de pouvoir attaquer 10 mars. Toujours pour que ça soit joli sur la carte. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on peut le faire et on va le faire. Même tout de suite, ça sera fait. Mais je pense qu'avec ça, ça sera aisément suffisant. Maintenant, on va une autre armée tant qu'à faire. Voilà. On va faire un réseau d'espionnage parce que je pense que c'est la forteresse de l'année, ça ici. Non, niveau 1. Bon, super, en fait, je m'en fais pour rien. Et t'allais à qui d'autre, Billy? Ah oui, c'est vrai. D'accord. Mais tes alliances, c'est ça. Ça et ça, ouais, c'est personne, personne et personne. Parfait. Et genre, Urbino, t'es pas copain de moi. Alors qu'on t'a... Territoire illégal. Mec, on t'a fait bouffer de ouf. Bon, très bien. Allez, on déclare la guerre tout de suite avant qu'il y ait la coalition qui se forme. Pour prendre... Ah, j'aurais dû faire nationalisme. Pas grave. Moins d'expansion agressive, nationalisme. Go tout de suite. On y va. On va peut-être recruter là par contre. On en a besoin. Alors notre limite terrestre, elle est de combien maintenant? Elle est de. Bon, on peut en faire quelques-uns. Donc on va recruter intelligemment. Hop. Voilà. On peut plus. C'est grave. Mais c'est pas qu'on peut plus, on est. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Hein, de toute façon. Voilà, bon, de toute façon, ça va être simple. Hein. Tu vas... Toi, avec le 3 de siège, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Voilà. Ouais, ça ira comme. Beaucoup, c'est vrai, mais bon. Invasion imminente. Oh non! Une armée de 1. Ah bon, là. Pas de problème, on est à côté. Du coup. Moi, ce que je voulais voir, c'était. Toi. C'est pas mal, ça, hein. Ça fait partie du nez de Lübeck en plus. Ouais. Donc, alors, commençons par le début. Toi, t'es Oldenbourg. T'es allié à Mulhouse, Hollande.
Hollande, c'est ça, hein. C'est trop fort rien. Ok. Et toi, t'es allié à personne. Donc, si je te redéclare la guerre pour prendre l'un des deux, de toute façon, les deux sont bons. Donc, on va le faire. Go. Pour. Ok. Voilà. Et toi, je te déclare la guerre. Ah, là, il y a un peu plus de monde. Franchement, on peut remettre le. Ouais, mais on a là. On va avoir les révoltes. Mais franchement, l'Autriche est tellement mal. On peut calmer l'Autriche instant. Et on peut pas parce qu'il y a un peu. Ah, le premier mois. Pourtant, t'as des dettes, t'as plus de réserve militaire, mais tu te dis dans ta tête que ça passe. Eh ben, écoute. Si tu veux, hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. Moi, ça me laisse le temps de regrouper mes forces, tu vois. Tranquillement. D'apprécier mes nouveaux territoires. Ah ouais, moi, il n'y a pas de problème, Julien. Hein. On va se prendre dessus comme c'est pas permis. On va faire une armée par territoire. Et promis, ça va bien se passer, quoi. Tiens, toi, on va te diviser, du coup. Voilà. Pour être sûr à 100%, on va une fois, deux fois. Voilà. On a des hommes maintenant. Toi, on va se mettre là-bas avec toi. Toi, on va se mettre là-bas avec toi. Toi, on va se mettre là-bas. Toi, on va se mettre là-bas. Voilà. Là, par contre, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'on fait feu. À Canton, ils se sont soulevés. Bon. Ah, mince. On l'avait pas, ça. J'ai dû misclic, ils ont dû accéder à leur fin. Bon, écoute. Oh non, là, moi, je me sens pas prêt à faire la guerre nucléaire, quoi. Oh, Macao, machin, etc. Restons en Europe, puis tant pis. Mais on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus les gens.